Dans le premier arrondissement de la commune de Libreville, derrière la barrière du lycée d'État, communément appelé petit village, l'insécurité devient de plus en plus grandissante. Après les cours, certains élèves se retrouvent dans un bar, non loin du lycée, pour s'adonner à l'alcool et plusieurs autres vices qui n'honorent pas leur tenue scolaire. Raccourci emprunté par plusieurs habitants du quartier, ces derniers dénoncent ce fait. Qu'en est-on plus en sécurité? Les bars que vous voyez là, ça attire, c'est un bar qui attire beaucoup de jeunes, surtout ceux du lycée d'État. Ils viennent boire là, ils viennent s'enivrer et après ce sont des agressions. Ça ne nous arrange pas. Et quand il y a l'insécurité, ce n'est pas une bonne chose. Le lieu devient, comment dire ça, le lieu devient salubre. Parce que les gens ne peuvent pas passer, les gens ne peuvent pas vivre en paix. C'est le grand mal. Le premier bar, dès que vous traversez là, vous allez voir, c'est la période même, quand ils reprennent, c'est d'envoyer quelques agents ici, passer, ils viennent. Il semblerait que le lycée d'État, c'est de l'autre côté. Ils viennent s'enivrer là, faire le désordre, faire des bagarres, ce qui peut engendrer à la suite beaucoup de bévues, des morts d'hommes, et ce n'est pas bien. N'étant pas un cas isolé, nous pouvons constater ce même phénomène aux abords des écoles de notre capitale gabonaise.